Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Très content pour moi ensemble avec nous aujourd'hui pour présentation troisième épisode Yonti coup de Jésus et Chemaila dans 5 minutes. Merci pour fidélité ou à qu'espace ça. Merci pour chaque fois ou pour un petit temps pour aimer, commenter et puis partager ensemble de vidéos que nous a fait livrer journaux à travers tout Haïtien Connecté TAK509. Je dis à l'épisode ça, nous décidons de parler de 3 artistes. 3 artistes que vous considérez comme des artistes indissociables. 3 artistes qu'on pas qu'à ouais une, sont pas ouais l'autre là. 3 artistes qu'on pas qu'à parler de une, sont pas parler de l'autre là. Et coïncidence heureuse, je dis à nous parler de yo parce que tous les 3 décidé de mettre nouveauté dans la rue. Pour période estivale ça, gagnant qui déjà sorti album, gagnant qui annoncé album, gagnant pour le vini et qu'on l'autre tout qui lui-même déjà gagné tracklist li, gagné en pile musique qui a pour trouver sous projet que l'a sorti pour période estivale là qui déjà soumet à appréciation publique. N'a parlé de Roosevelt Saillant BIC, n'a parlé tout de Jean Bélo Bélo et Jean-Jean Roosevelt. BIC c'est quand même 7 albums en 14 ans de carrière solo. Pour la précision 14 ans de carrière solo, c'est parce que BIC comme artiste a déjà commencé carrière bien avant 2005 lorsque il décidait de faire cavalier seul, lorsque il décidait de sortir premier album solo. La preuve est que BIC était fait partie de la formation musicale Flex aux côtés de Kendi, en formation musicale qu'elle a intégrée dans l'année 2000. Donc BIC a sorti premier album solo en 2005 qui était baptisé Wow. En 2008, qui est donc 3 ans après, BIC pour sortir deuxième album qui est baptisé Plus Loin. 2 ans après, en 2010, qui pourrait sortir premier volume Créole Chanté Créole Comprenne. 2 ans après, en 2012, BIC pour sortir deuxième volume, même projet ça, qui est donc album Créole Chanté Créole Comprenne volume 2. Et puis en 2014, BIC pour sortir album Recto Verso. 2 ans encore après, BIC pour sortir album Vocabularia, nous dans l'année 2016. Et pour l'année 2019, là, 3 ans après, BIC décidé de livrer à Fanatique, livrer à Méloman Avertio, 7e projet studio en 14 années de carrière solo, l'album Bictionnaire. Un album que BIC a annoncé, ça gagne plusieurs mois de cela. Et même une session d'écoute qui était faite pour la presse dans l'occasion anniversaire BIC en avril dernier. Et dans la même période, ça, BIC a sorti une musique à toute vidéoclip qui était annoncé, album ça qui était baptisé Devant. Et semaine ça là, BIC qui lance une véritable initiative pour faire mieux tendre en partie, en bride souvelée dans chaque musique qui gagne sous projet ça, un projet que BIC a annoncé sorti officiellement pour 1er août cap vini là, c'est 7e album solo BIC en 14 années de carrière. Deuxième artiste là, c'est Jean Bélo Nimura. Bélo, des artistes que j'aime te dire d'entrée de jeu, destin ou maconné ensemble. Pour qui ça, vous allez nous rendre compte, Bélo gagne 6 albums lui-même en 14 ans de carrière. Mais tous les 6 albums Bélo sortis même année avec album BIC. À l'exception de l'album Créole Chanté Créole Comprenne volume 1 qui était sorti en 2010, dans la période ça, Bélo lui-même pas de sorti album. Mais si nous retirons Green Album ça que BIC gagne d'ailleurs plus Bélo pendant 14 années de carrière li, tous les 6 albums Bélo yo sortis dans une année côté BIC décidé de sortir album tout. Et c'est d'ailleurs ça exemple que nous pral bail là yo pral montrer. Puisque BIC sorti album en 2005, premier album qui était baptisé Wow. Et dans la même année, ça, Bélo a sorti premier album solo qui était baptisé La Coupe Tranquille. 3 ans après, même année que BIC décidé de sortir Plus Loin, Bélo a sorti deuxième album qui était baptisé Référence. Là, j'aime te dire, nous en 2008. Troisième album, Bélo a sorti en 2012, album Haïti debout. En 2014, Bélo a sorti album Natif Natal. En 2016, pour te marquer 10 ans de carrière Bélo sur scène musicale haïtienne, il a sorti le projet Bélo 10 ans. Un projet que Bélo a sorti en 2 CD. 2 CD ça yo, sous chaque, tu as gagné des chansons à succès que Bélo gagnait sur 3 premiers projets yo, que le décidé reprend pour compte lui, ou bien avec des artistes que tu as invités, avec de nouveaux arrangements, de nouvelles sonorités. Un superbe projet qui était baptisé Bélo 10 ans, j'aime ce dit tout à l'heure, qui était sorti dans l'année 2016. Et dernier projet en date, Jean Bélo Nimura, qui sorti 10 juillet passé, c'est l'album Motivation. Album ça, j'aime te dire, c'est 6e album Bélo réalisé en 14 années de carrière. En carrière que Bélo commençait en 2005, même l'année que BIC décidait de lancer carrière solo en 2005. Troisième élément dans le triangle magistral, c'est l'artiste Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean Roosevelt qui gagne 6 albums en 12 années de carrière. 12 années de carrière pour Jean-Jean, c'est assez relatif. Pourquoi ça me dit là c'est relatif? Parce que Jean-Jean, bien avant que le sorti premier album, c'était quand même un artiste assez connu du public haïtien pour avoir réalisé, produit, souvelé, musique Balade Max pour le concours de Miss assez populaire de la chaîne de télévision Télémax qui était relé Miss Vidéo Max. Mais si nous considérons le premier album Jean-Jean Roosevelt qui était sorti en 2007, nous sommes capables rapidement de considérer l'année ça pour le lancement de carrière solo Jean-Jean Roosevelt. Et si nous faisons considération ça, nous avons dit que Jean-Jean Roosevelt gagnait 12 années de carrière et en 12 années de carrière, ça il a réalisé 6 albums. Premier album dans Jean Sodil qui était sorti en 2007, qui était baptisé Recommence. À l'époque, Jean-Jean a gagné une formation musicale qui était relée Balade. Et c'est sous les belles formations musicales ça que l'album ça a été sorti dans l'année 2007 qui était baptisé Recommence. Deuxième album a sorti 2 ans après, il était baptisé Pinga. Troisième album artiste là a sorti en 2012, il était baptisé Il y a danger. Quatrième nom sorti en 2015, 3 ans après troisième nom film sorti, il était baptisé Ma Direction. 3 ans après quatrième album non, en 2018, nous rappelons bien 20 signatures album ça 18 mai 2018. Débaptisé Kolé Boyo. Bien ça, seulement 1 an après, c'est comme quoi destin monsieur ma connaît, c'est comme quoi son obligation pour ceci album ensemble année ça. 1 an seulement après, Jean-Jean Roosevelt décidait livrer mon 6e projet personnel qui baptisé Grenadier à l'Assaut. Un album que Jean-Jean Roosevelt annonçait avec une musique vidéoclipée qui est disponible, qui baptisé Mato. Mais bien avant ça, Jean-Jean Roosevelt a déjà sorti 2 singles. Yon premier qui est baptisé Fait Marie Bourique là pour dénoncer viol qu'a fait sous femme active dans la société. Un deuxième qui est baptisé Une lettre à ma femme, même genre avec Mato qui dénonçait l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Voilà donc, en résumé, carrière artiste sayo, œuvre que produit, n'a parlé de BIC Roosevelt Sayan, n'a parlé de Bélo Jean Béloni Murat, il a parlé de Jean-Jean Roosevelt. J'aime te dire nous dans propos introductif moi yo. 3 artistes ça c'est des artistes indissociables. Ils sont indissociables pour plusieurs raisons. Mais il y a une que m'avait mentionné avant m'aller, on me dit c'est 3 artistes qui veulent faire honneur, qui veulent porter drapeau pays sur le plan international. Premier artiste là par exemple, on est en cours Jean Béloni Murat, Bélo, il a remporté prix RFI découverte en 2006 avec l'album La Coupe Tranquille. Deuxième, Jean-Jean Roosevelt, son artiste qui lui-même a remporté les Jeux de la Francophonie qui étaient faits à Nice, en France, en 2013 dans la catégorie chanson. Donc, monsieur était médaillé d'or dans le concours ça. Et troisième, non, Roosevelt Sayan BIC, c'est une artiste côté texte, texte créole, a étudié dans les plus grandes universités en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Côté monsieur, presque chaque année, il y a un rendez-vous pour la faire conférence. Et année ça, il était dans MIT, côté il a fait conférence sur texte lio comme professeur d'anglais dans un temps et comme nèg qui a écrit créole très bientôt, bien ici qui quand même a participé dans des conférences et puis animé des soirées pour des étudiants qui dans MIT aux États-Unis d'Amérique. Voilà donc ça qui mettait yon bout dans 3e paraître, yon petit coup de jeu sur Haïtien Malade dans 5 minutes. Merci à vous même qui t'a suivi. Pas négliger, remet, commenter et partager. Pas négliger, abonner ou bien suivre plateforme tout haïtien connecté, tout côté li disponible, TAK509, restez avec nous. Plus belle vidéo à venir.